Rebonjour à tous, on se retrouve pour la suite de The Sexy Bullshit. Normalement, je devais faire un live Twitch, et je m'excuse auprès de Rostei et Tatou qui étaient là et qui étaient présents, et les deux autres personnes qui n'ont pas trop parlé, peut-être Melectric, peut-être d'autres. Mais les conditions ne permettent pas que je fasse un live Twitch et en même temps un enregistrement de bonne qualité. Donc je vais faire. Donc j'ai décidé, et je suis désolé pour eux, de faire la suite de The Sexy Ball Channel tout seul. Pour avoir une bonne qualité vidéo pour vous, les viewers de YouTube. Donc si ça vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, hein. Parce que j'ai brisé le cœur de 4 viewers Twitch. Qui étaient là dès lors que j'avais envoyé un tweet. Bref. Donc là, cette fois-ci, on est là pour sauver deux personnes. Qui sont Green et je ne sais plus comment. Et ça, on avait trouvé en vitesse que c'était dans cette salle. Vous avez rien manqué du tout, c'est juste on s'est réveillé là et on avait vu l'écran comme quoi c'était deux personnes qu'il fallait sauver. Donc, rien manqué du tout. En fait, si, le seul truc que vous avez manqué, c'est que bah, j'étais sur la scène et que je pouvais rien voir de l'histoire parce que bah, j'étais tout le temps dans l'action, donc il fallait que je me décale et tout ça. Ici, c'est la meilleure place, apparemment. J'essaie d'écouter, de voir à côté s'il y a des gens. Ah voilà, il y a du monde. Ah, vous voici. L'œuf, Grayson. Je vois l'œuf. Donc c'est cet œuf-là. C'est ces deux personnes qui vont mourir, donc. Jésus, Marie, Joseph. J'imagine que c'est l'œuf. C'est déverrouillé. C'est l'œuf de tous les œufs. Admirez un peu. Satan et Lucas, je savais qu'il l'avait. Ce salaud de foldingue de riche. Attendez. Grayson, attendez. Il y a quelque chose qui cloche. Le spectacle de ce soir n'était pas censé être une sorte d'évasion trompe-la-mort horrible? Red, sérieusement. C'est tout le temps que j'ai pu passer à regarder cette œuvre de près. Non mais regardez un peu ces pics et ça, qu'est-ce que c'est, des pylônes électriques? Bon, est-ce qu'on peut simplement vérifier que rien n'est branché ou allumé? Avant que vous n'entriez dans cette horrible cage de la mort, s'il vous plaît. Très bien. Allez vérifier par là, je m'occupe de ces pièces. Allons nous assurer que tout est désactivé ou débranché, ou que sais-je. Que ferais-je sans votre bienveillante prudence? Ah, vous le savez. Quoique. Je veux juste voir. Ça ne se fera de mal de pers ça ne fera de mal à personne de jeter un coup d'œil. C'est vrai qu'il ne s'agit peut-être pas du véritable œuvre de Moloch. Et. Oh, Seigneur, c'est lui, regardez un peu ça. Grand Dieu, ce gros vantard de rhume, si c'est censé être vraiment ce qu'elle ouvrage, c'est tout simplement. Attendez. Oh, mais vite! Vite! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Hey, qui est là? Red! Red! Ok, de l'électricité. Grayson, pourquoi y a-t-il du courant? Quelqu'un m'a enfermé à l'intérieur! Quoi? Mais qui? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas ouvrir cette porte, j'ai les cheveux qui se dressent du simple fait que. Red, mes mains sont prises au piège, complètement coincées. Que voulez-vous dire? Vous êtes blessé? Mesdames et messieurs, le spectacle est dans une heure. Non, c'est juste des sortes d'entraves métalliques qui sont renfermées sur les mains. Parvenez-vous à atteindre vos crochets? Non, je ne peux pas, mais. Je ne peux pas atteindre mes crochets. Si je réussis à entrer là-dedans, je pourrai couper ces entraves, j'en suis sûr. Et briser l'œuf? Vous êtes dingue! C'est bon, ça va aller. Allez chercher la fripouille qui m'a piégé ici, briser lui les genoux et. Bon, pour les genoux, on verra, mais je vais aller les chercher. C'est n'importe quoi.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mesdames et messieurs, bienvenue au spectacle d'illusionnisme du sexy brutal. Attendez, le spectacle? Non, pas le spectacle. Ne commencez pas le spectacle. Je n'aime pas ça, c'est officiel, ça ne m'abuse plus du tout. Red! Red! Gray, que se passe-t-il? Oh non! Je ne sais pas quel genre de spectacle dingue il prépare, mais... Ok, nous allons faire sortir. Je vais vous faire sortir. Ne dis pas que vous allez me faire sortir, faites-le! C'est un spectacle de magie, c'est ça? Le magicien devrait avoir une porte de sortie. Red, j'en sais rien. Je n'ai pas conçu cette saleté. Je veux juste sortir vite. Oui, Gray, regardez, il y a une trappe. On dirait qu'il y a un cadenas, mais vous réussirez facilement à le crocheter, non? Je peux crocheter n'importe quel cadenas, les yeux fermés. Mais mince, elles sont coincées. Notre magicien intrépide est prêt pour son dernier tour? Que les pics de la mort descendent. Quoi? Les pics de quoi? Red, sortez-moi de là, je vous en supplie. Il y avait un interrupteur derrière la scène, peut-être que ça l'arrêtera. Je reviens, Gray. Je vais tout faire pour qu'il ne vous arrive rien. Je dois éteindre ça. Je ne peux rien faire à cause de l'électricité. Red. Oh, doux Jésus. C'est pas possible. Allez. Mais qui fait ça? Quel genre de malade, que se passe-t-il ici? Oh non. Mes mains, j'ai besoin de mes mains. Au secours, à l'aide! Oh mon Dieu, Red, je vous en prie! Ça descend progressivement. Sortez-moi de là! Red! Si on regarde l'horloge, ça va être le moment. Grayson, je suis désolé. Je vais vous sortir de là, je vous le promets. Quoi? Que faites-vous? Enculé! Non, Red. Non. Je suis désolé, Red. Parlez-moi, je vous en prie. Je suis désolé, et eux. Ah! Oh, quelle violence, mais ne vous inquiétez pas. Regardez. Il est exactement comme il devrait être. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et à demain. Donc on sait que tout se passe dans cette scène, mais aussi que le majordome venait de la gauche. Qui vous invite au spectacle de ce soir? Rendez-vous au théâtre à 19h. On va aller par là. Ah, une carte. Le 8 de carreau. Les étagères rouges sous les ouvrages de l'art du spectacle et de la prestidigitation, y compris la première édition dédicacée de la biographie de Charles Carter, Carter contre Satan.
L'étagère recèle de plans et de pièges de tout complexe, co-signé par Luca Bond et Thanos Gorecki. Des livres sur les mythes et les mystères. Le bureau est jonché de documents sur les spectacles ayant eu lieu au théâtre au fil du temps. Là, il y a un interrupteur. D'accord, on peut se cacher là. Le bureau contient des notes sur l'éclairage de la scène. Pas de courant. De trèfle. Il écrit Carrington sous la statue. La plupart des statues du manoir portent le même patronyme. Carrington. La statue de marbre est sculptée avec brio. Derrière les cartes, son visage n'est qu'angoisse. On va attendre de voir par où il arrive. Parce qu'on sait que... ZXXXX... D'accord. Normalement, il devrait arriver donc... par... en bas. Ok. Inestimable. D'accord. Il y en a deux. Ah! Vous voyez ? Bavardage. Soupçon ? Pas le moindre. Le seul mouvement. L'appât. Tentant. La proie, emprisonnée. La porte, ouverte. Le cadenas, vite. Donc il vient de fermer la porte. Le cadenas, fermé. La mission? Une réussite. Parfait. Sensationnel. L'autre? Absent. Un problème? Sans importance. J'essaie d'aller là-bas en vitesse. En fait, il y a un autre interrupteur. Faudrait que j'appuie en même temps que lui. Pas de courant.
Je pense qu'il faut que j'appuie sur... Je pense qu'il faut que j'appuie sur le même interrupteur que lui. Après savoir quand est-ce qu'il appuie sur l'interrupteur. Est-ce qu'il y a autre chose? Il manque quelque chose. C'est chaud parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'il va appuyer. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu et que j'aurais dû? Un briquet en or. Peut-être pour fantôme? Il y a ça aussi. Ok, la carte. Ah, c'est mort. Il y a un truc à faire. Peut-être que le fantôme peut me dire quelque chose. Il faut que j'allume avec le briquet. Ah, là, ils sont là. Le début, ok. C'est autour du Thanos à installer un de mes coffres. C'est que le garde. Je suis sûr que le marquis le garde là-dedans. Je sais. Je sais que vous avez dit, mais pourquoi voulez-vous ce... Qu'est-ce que c'est, un œuf à ce point? Je vous ai dit, ce n'est pas un simple œuf. C'est l'œuf de le Moloch. Qu'est-ce que c'était? J'ai dit que Lucas. J'ai dit à Lucas que cet endroit où j'ai pas eu le temps de lire. Ah ah, oh Thanos, vous êtes si prévisible. J'imagine bien, tiens, tellement content de son coup. Je fais cacher leur coffre derrière le tableau. Ah, personne ne fera trouver cette cachette, je suis tellement malin dans ma stupide... Non mais il n'est pas vraiment comme ça. Enfin, peut-être un peu... Bingo! Je pourrais le faire les mains dans le dos. Mais personne d'autre sur Terre ne pourrait forcer ce cadenas. Bah voyons ce qu'on a là. Bon sang, ce n'est pas un œuf. Doum.
Il y a le fantôme qui est là. Ouh, il fait froid ici. Ouais, bah, dès que le fantôme rentre. Je vais aller chercher donc. Le. Il est complètement vide. Où est-ce que j'ai eu le briquet? Ah, mais je l'ai déjà. D'accord. Est-ce que pour le coup, il faut que je le casse quand même? Non, il n'y a plus rien. Quand même ici, hop. Si je peux allumer, c'est que le fantôme devrait passer par là un moment ou un autre. X. Ah voilà, le fantôme. Ah, vous voilà, l'arbre. Vous voulez bien aller dire à ces espèces d'abrutis de rétablir le courant? Ils ont bidouillé l'électricité au sous-sol. Mais dites-leur qu'il y a un interrupteur derrière l'étagère de la bibliothèque au nord-est, juste là. Vous avez localisé un interrupteur. Lucas, béni soit-il, avait secrètement raccordé tout cet endroit pour le grand spectacle de magie. C'était un fervent admirateur des tours de disparition. Il adorait le spectacle, vous savez. Bref, taisez-vous, vous m'ennuyez. Alors, voyons faire ça. J'ai appris donc que ici, il y avait quoi? Il faut que j'appuie sur... Voilà. Disjoncteur caché. Il y a un disjoncteur caché dans cette salle-là. C'est déconnecté. Voilà, disjoncteur caché. Et les disjoncteurs sont en rouge maintenant. Il faut que j'appuie en même temps que l'autre. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, je ne peux pas ouvrir cette porte, j'ai les cheveux qui se dressent au simple fait que je sois à côté de la porte. Bref, Red, mes mains sont prises au piège, c'est complètement coincé. Que voulez-vous dire, vous êtes blessé? Non, c'est juste que des sortes d'entraves métalliques qui sont renfermées sur mes mains. Permettez-vous d'atteindre vos crochets. Non, je ne peux pas atteindre mes... Je ne peux pas attraper mes crochets. Si je réussis à entrer là-dedans, je pourrais vous couper ces entraves, j'en suis sûr. Et briser l'œuf, vous êtes dingue. C'est bon, ça va aller. Allez chercher la fripouille qui m'a piégé ici, briser lui les genoux et... Okay. Bon, pour les genoux, on verra, mais je vais aller chercher. Alors, voyons voir s'il l'active directement sur... personne ici. Que se passe-t-il, ici? Quel est ce bruit? Hein? Quel est ce bruit? Ce bruit. Ok, il appuie pas du tout sur le truc. Mmh.
Ok. Il faut vite que j'aille appuyer sur l'interrupteur de mon côté aussi. Voilà. On appuie en même temps. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Cool. Gray, vous allez bien? Oh mon dieu, ça s'est arrêté. Je sais plus si j'avais fait cette voix. Red, que faites-vous? La porte est toujours verrouillée. Bordel. J'avais oublié à quel point vous étiez une brute. J'avais oublié à quel point vous étiez une brute. Enlevez ces saletés de vous. Là. Ouf, c'est mieux. Ok, on a sauvé deux personnes. Laf, mon vieux. J'étais en bien mauvaise posture là-dedans. Vous faites quelque chose, Laf Cadio? M'avez-vous aidé? Merci. Allons, Red, le bar nous appelle. J'ai une sensation forte pour aujourd'hui. Donc voilà, ils sont sauvés. Il était là, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Donc je peux ouvrir les serrures maintenant. Je pense. Touché délicat de Grayson. Voleur professionnel reconverti en expert de la sécurité, Grayson est un serrurier hors pair. Le masque de Grayson vous permet de forcer n'importe quelle serrure physique du manoir. Ouvrez les cadenas et les coffres forts en utilisant le pouvoir quand un message vous y indique. Grayson était un perceur de coffres très très talentueux. Il a mis ses talents au service de la création des systèmes de sécurité du manoir. Peu de serrures résisteront à vos doigts de fée désormais. Mais il y en aura quand même. Vous devez partir. Ok, bah je pense qu'on va se quitter sur cette partie, puisqu'on fait des parties maintenant. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, enfin vers le haut, et puis abonnez-vous. Bisous.